t'as pris ton petit déjeuner? Il n'y a plus rien dans le frigo. On a qu'à aller acheter quelque chose. Est-ce que t'as de l'argent? Attends voir, 20. Moi, il me reste 10. Bon, 30 centimes, où est-ce qu'on va aller avec ça? Et pourquoi tu récupères pas les 100 francs que t'as refilé à ton copain Thierry? Oh, mais les 100 francs. Ben quoi? Une dette, c'est une dette. Ah, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Ah, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Thierry nous doit 100 francs. Une dette, c'est depuis bientôt un an. C'est le temps de les récupérer. Bon, d'accord, je lui passe un coup de fil, mais ça me fait chier. Il te les doit. Je sais. Allô? Allô, Thierry, c'est. Ben, c'est Michel. Ah bon, salut. Ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est vu. Ouais. La dernière fois, je crois que c'était au bar, là, où on prenait une bière, et puis soudainement, t'avais plus d'argent. Et toi, ça va comme tu veux? Oh oui, ça va bien, depuis qu'on s'est vu à ce bar où je t'ai prêté 100 francs. Et qu'est-ce qui fait froid, par les temps qui courent? Ah, c'est affreux, mon vieux. En tout cas, beaucoup plus froid que dans ce bar où je t'ai prêté. T'as vu dans le journal ce matin, ils annoncent une grève des PTT. PTT, oui, ça me fait penser à ce bar. Tu te souviens, il y avait eu une bagarre et le mec a PTT la gueule à l'autre juste avant que je te prête. Et en plus, ils veulent augmenter les impôts, alors on aura tout vu. Tu sais, ce bar où je t'ai prêté. T'as regardé le match de foot? Bar où je t'ai prêté. Hier, je suis allé au cinéma. Le bar. J'ai eu une crevaison le mois dernier. Où je t'ai prêté. De sujet, là. J'ai prêté 100 francs. Le bar. Oh, tu veux bien m'attendre, j'ai un autre appel. Putain, il a raccroché. Tu lui as dit ou pas? J'essaie de lui dire, mais arrête pas de changer de sujet. Bah, tu le rappelles et tu essaies de glisser ça subtilement dans la conversation. Ouais, c'est facile à dire, ça, subtilement. Ça a pas l'air si facile. Ah, la ferme. Bon. Mais je te parie qu'il va me faire le coup du fax. C'est quoi ça, le coup du fax? Quand tu veux pas parler à quelqu'un, tu fais comme s'il est tombé sur un numéro de fax. Inutile, Thierry, je t'ai reconnu, c'est toi qui fais le fax avec ta bouche. Et merde. Et comment vont ta femme et tes 100 francs? 100 francs, tu piges? Oh, ils vont bien. Y a ma femme qui a un nouveau job et ça l'a fait paniquer un peu, mais... Ah, mais faut pas s'en faire. Ouais. Y en a qui 100 francs pour rien. Ah. 100 francs, t'as compris? Eh ben, ça m'a fait plaisir. Tu sais, parfois, il faut pas trop qu'on s'emballe. C'est 100 balles. Alors, embrasse quelqu'un pour moi et... Parfois, il est important de savoir garder son 100 francs. Hein? 100 francs. Hein? 100 francs. Bon, alors... Tu prends des vacances bientôt? Ouais. Ah, bon. On comptait peut-être aller aux États-Unis, quelque chose comme ça. Comme à San Francisco? Peut-être, ouais. Allez, au revoir. Et quoi de neuf à part ça? On vient de faire repeindre la maison, ciao. Non, sans blague. À un franc la blague, ça fait 100 francs. Ouais, on a choisi une couleur, là, tu sais, cette espèce de jaune, là, comme la plante, là. 100 francs? C'est ça, jaune safran. Ah, super. Oh, alors... Et quelle couleur t'as fait les fenêtres? Eh merde, les fenêtres sont plus foncées, un peu caramel. Ah, caramel, c'est un peu comme les billets de 100 francs, quoi. Dis donc, ça te dérangerait de me parler d'autre chose que de tes putains de 100 francs? Ah oui, je peux te parler d'autre chose, si tu veux. Tiens, il y a ma cousine qui a accouché, là. Elle a eu deux petits jumeaux. Oh, félicitations. Et j'ai assisté à l'accouchement. Ah, ben bravo. Et quand ils sont nés, ils étaient tout bleus. Oui, il paraît que c'est normal à la naissance. Comme deux billets de 50 francs.